Bonjour président Willy Kapanga. Bonjour monsieur le journaliste. Président Willy Kapanga, vous allez manquer à l'autorité morale et l'association APA. Vous allez mettre en pour la République démocratique du Congo. Avant que vous vous en débrouillez, vous avez la République du Congo et vous avez l'autorité morale et APA. Merci beaucoup monsieur le journaliste. APA, c'est une association Action Peuple d'abord. C'est une structure au sein de l'IDPS où ils doivent soutenir vision à chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Alors, na masolo eza na kati ya mboka na biso mboka eza calme makasi mboka eza kitoko mboka eza elengi. Il y a des problèmes oyo na yoki bana mboka bazolo ba o président lo baki mabe contre ba enseignant na biso. Tokota ilubu na président. Eloko wana eza Tokota wana après. To bandela bon yo li. Bon, mboka eta mlono ndenge ni président iki ke makati pepe nzala mwana mboka. Bon, makambo ya nzala bien aimé eza le loté. Zale bandaki na Jésus. Ata Jésus atika nzala wa. Balobe ke muntu sur la terre tu mangeras ka la sueur de votre front. Nécessairement muntu fo asala musala po alia. Pour moi, na Congo, eza nzala te nzala eza partout dans le monde, biloko e mati partout dans le monde, souffrance eza partout dans le monde. Mais ce qu'il faut faire au Congo, eza topé sa batu misala, bazo pe moi quelque chose oui beaucoup sont du jour le jour bloqué à Polia ou bien va se retrouver c'est ce qui est très important c'est moi le belanzaliza makambe bana mikena basi mais mobala le belanzalate mobala le musala na sala na zwa bongo na somba bloqué à Polia allez ça moi sina bande alors nous devons trouver une solution pour le travail au Congo mais qu'est-ce qui se passe au juste Congo est prise en otage par des étrangers. Ma poste est belée dans l'administration, dans l'armée, dans la police, sécurité. Mais ça est belée et occupé par des étrangers. Les étrangers sont plus au Rwanda, au Congo, au Congo, au Ouest africain. Ce sont nos voisins, ce sont nos frères qui sont venus chez nous. Mais nous devons prendre les devants. Nous devons travailler ensemble avec eux. Mais nous devons travailler ensemble avec eux. Mais nous devons travailler poste. On va se retrouver. Salut mon ami. Merci beaucoup mon Mboka. Tout peut amener solo, tout le monde. Toi, tu es presque déjà dans quelques semaines à ton compte, déjà mois de juin, mois d'historique pour la République démocratique du Congo, mon Mboka. Depuis 1960, si tu commences en 2022, analyse ni tu as pour la République démocratique du Congo. Mboka, si tu as 100 000, tu as 100 000 qui mon Mboka. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le problème, c'est un fait réel. Depuis 1960, si lelo on a plus de 60 ans, ou 62 ans environ. Dans le pays a longué dans l'indépendance. Après l'indépendance, Zimboka a en otage par Mobutu 32 ans. Dans 32 ans, Makambo, il fallait se demander de salamité. 32 ans n'est qu'il perte. Parce que tu as quelques infrastructures seulement, mais qui ne sont pas à la hauteur. Et pourtant, tant que Mobutu a eu le pouvoir, tu as un Zaïr. Na valeur ya 2 dollars. C'est-à-dire économie na bise une économie forte. Tozaki na ba production oy ba belge batikaki. Tozaki na budget oy ba belge batikaki. Alors biloko ne ba ne ko sala ke mboke zale ya kotomba mo makasi. Mais yeko be bandenge nini? Tango azu pouvoir abandi ba business na ba aventure a che mboka na diver. Alors makamwa na esele ke mboka ezala na se. To perdre crédibilité, to perdre économie n'est pas ça, tu perds influence. Azuna ba étranger belé à côté de na cabinet naie. Ba yako changer ne ba loi ya mboka et commis eloko naie. C'est que commissi Congo eloko na poche naie. Makambo na nde bebisa kimboka. Tu vas pas être na termela qui est jusqu'à ce que aujourd'hui tu es comme on a battu sur ba bimizamba ba yo kabile le père. Aye po ayo ko zo ba Rwanda ko misa bangwao. Ba Rwanda ba côté na ndezo na kati ya mboka na biso ba bebisi mboka tombu yu le console. Vous savez l'histoire. Maintenant, après le Rwandais, tout le monde est Tanzanien, Rwandais, parce qu'il y a un nom de Kagame. En même temps, il est Tanzanien. Non, mon Mboka. Vous avez bien, il y aura toujours la révélation pour ça. Oui, c'est ça. Vous voyez bien, il a eu le pouvoir 20 ans en otage. Ah! Il a eu le pouvoir en otage pendant 20 ans, mais qui est venu de Rwanda pour Kagame. Noko Naye, papa Naye, c'est un Tanzanien. Alors, il y a comme on a Congo, il a eu le pouvoir. Mais comment c'est possible? Avec influence, il y a Bamindele. Parce que aye makolo a commis à voir naza président nana vota qui est mututé pendant 20 ans j'ai pour pouvoir en otage a quoi si barwandé a tché mbutu na kati ya mboka et loko mokote a kundi mboka congo ezali société carte d'identité oy mbutu atikaki
Bazuyango. Depuis 1970, vous avez une carte d'identité. Moi, nous avons une carte d'identité. Je vais vous donner une carte d'identité pour uniformité et quota, infiltrer la quota dans le monde. Mais quand on est que Mbok n'a pas besoin d'un bouton pour te bêler, il fallait tout donc que c'est Mbok en arrière. C'est pourquoi moi, Mbok a eu le pouvoir pour le moment. Félix Antoine Tshisekedi, alors c'est l'effort pour donc que c'est quand même identité à bas dans Mbok. Congo Mobimba Boy sans identité, Congo Mobimba Boy sans constitution. Oh, ils ont sorti à Kabila tout d'un coup. Alors, ma cambo ya boye ko kende bosson deni. Comment un individu peut avoir 680,000 $ par mois pendant que ba fonctionnaire ba zanga ta $200? Comment ça? Qui a voulu qu'on vote ça au bas parlement? Bas parlementaire tout ça na bango batia mabe. C'est besoin qu'il mboka en otage pour battre que la Kabila. Kabila pas une mboka parce que Kagame na ba lokona ye na ba nene. Alors moni ke mboka na biso zaki en danger. C'est pourquoi président Félix a eu zo mboka e bazai ko kunda a kondoli mboka, il faut réanimer mboka e zo en plein pour to bande ko lolobela ba Congo. Un Congo fort, un Congo prospère, un Congo qui parle de l'Afrique dans le monde. C'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin à Congo de la semer à Batou, au Port Kagame, le Port Kagame dans les Namboko. 2018, babi misé ba élection à Lobi, babi misé té nan Azoya. Azoya qualité de qui? Yo za Namboka na yokuna Rwanda. Au moins un microcosme, mais Azoya on a yoko. On a problème avec Congo ndenge ni. Au moins madame Moussa, ça n'a pas d'importance. Il faut que tu angolais, tu fongolais miso. Total na miso total ba qui est congolais qui ne l'est pas. Total ba burundais ba juif ba komba ba congolais. Total ba ouest africain ba komba ba congolais. Total ba rwandais ba tondi bebo ba komba ba congolais. Tina parlement bazali, tina gouvernement. Vous voyez des choses telles, ça ne peut pas nous arranger. Il faut bana mboka ba zo dessiner mboka na bango. Président, il y a l'autorité morale, il y a pas mana mboka. Olobeka moya boso mais ba mboka comment tu fais ce bazo. Souffrance, mon tésor bien étranger, tanzanien, rwandais, à ce qu'on dirige Mboka pendant 18 ans. Souffrance, il y a 18 ans, il y a 4 ans, il est qui en a pris à toi, tu sais qui dit mon Mboka. Mais 18 ans, les lots ont vivre conséquences, il y a 18 ans, mais gestion, il y a 18 ans. Les lots, tout le baboyer, ceux qui au bon sim et loco, après 18 ans, conséquences, il y a loco, on est au bande, comme on en a après. Ceux qui ont fondé les lots, il y a mangue, au collier, un fruit, les lots, on collait en prêt, c'est ça. 18 ans, on a eu une souffrance sur le Yangolé. Donc, Kabila a préparé la 18 ans la souffrance. Pour le Congo, les autres vont vivre chaos. Maintenant, il faut tout préparer maintenant, sortir de la souffrance, sortir de la malheur. Pendant aussi 10 ans, 20 ans. Alors, le bateau, il ne faut pas vivre bien. Si on prépare en côté, ça va toujours continuer. Alors on ne peut pas donner au parce que le président a eu une souffrance. Non, non, la souffrance a été préparée. Tu as eu une souffrance, mais il faut tout faire l'effort. Tu as eu une bakuluna. Depuis Mobutu, bakuluna va être quitté. Mais Kabila a eu une bakuluna. Maintenant, la solution n'est pas à Fachi. A eu une bakuluna, il a eu une bakuluna. Il a eu un salaire, il a eu un moussala, il a eu un formé, il a eu un peu de à la société. Nous devons transformer le mal en bien. Pour le faire, il faut un homme comme Fachi. C'est pourquoi pour le moment il est irremplaçable. Il y a égalité dans le Congo. Les étrangers ont besoin de beaucoup de en complicité avec les Mindele. Si on a des gens qui ont été changés, les Congolais se retrouvent, ils ont droit à la vie. Comment on peut nous prendre en otage par les étrangers? Ça ne peut pas marcher. Merci beaucoup, autorité morale, président Willy Kapanga. Tout le monde est en train d'être chef de l'État dans la Côte d'Ivoire. Il y a une polémique en scène. Il y a toute une république comme ça. Que le président de la République a institué mon enseignant. Ils ne se posent pas si mingi. Mais c'est là où on peut se couper. On va aller dans la commune de l'Oba pour instituer mon enseignant. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis venu à Mboka et le coin est mal compris. Lorsqu'on a mal compris, on ne fait que mal interpréter. Je suis venu à expliquer bien le coin de la Lingala. Je suis venu à ceux qui ont saisi le Kambo en bien été. On peut interpréter en Mboka mal. Le président de la République, c'est le mieux. Muto ya matisi ba enseignant, oya longoli pine de réserve ya Mobutu, oya longoli pine négligé ya Kabila, c'est le président actuel Fachi Béton. Azu ba enseignant a matisi valeur. Enseignant va demander qu'on foute combien 80 000 francs avec Kabila. Vous êtes sans ignorer jusqu'à 120 000. Mais Fachi a matisi bango jusqu'à 350 000. Ba enseignants ils sont bien payés. Alors la quoi le belo quoi naté? Et là quoi ça boye? Aibi si batoke enseignement, ce n'est pas des enseignants mais enseignement na biso. Et encore bas. Pour Nani, il faut tout relever niveau. C'est-à-dire, il faut des documents, il faut ceci. Matériel didactique,
il faut automatiser le niveau et enseignement à Bissot. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que les enseignants sont. Non, 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 non. Ça, c'est une fausse interprétation. Et ça, ma cambo et ma policier, on va te simmer pour pas faire cette interprétation à ma B. Bah, toi, comprendre le président. Non, non, le président a très bien dit. Il a dit que l'enseignement à Bissot, il faut automatiser. Automatiser à partir de la bande de. Le président de la République, le bon Liban est en bon camion. Non, 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 non. C'était dans quelles circonstances ils ont makambu ya échange ya makambu ya culture et art enseignement. Oh ils ont tala les bandes en bok. C'est normal à quoi le Belango pour Alex. Non non pour soutenir les bisso automatiser niveau enseignement et bisso. On a récupéré 40 millions. Bien au le Belaka Kalobi. Mais 40 millions d'enfants. Oh ils sont sur la rue sans enseignement sans quoi. Ils les ont récupérés pour battre gratuitement à l'école primaire. Là vous n'avez pas un problème. Mais oui, le Baïza qui est automatisé, va soutenir le Pébisso, Bisso peut soutenir les enseignants, va nous faire un gros cas. Non, nous devons aller dans la logique des choses. Mon top si enseignement de Bisso valait, c'est le président actuel, président Fachi Beto. De mon top Lungoli, Sonia Banseignant, Apesi Bango valait, Apesi Bango salaire y a bien, Apesi Bango valeur. Aligné d'abord à matisser des sources, les enseignants vont aller plus loin. Enseignant Bisso par rapport à Bamoussou, tout le monde que les conditions sont tellement méritées. Mais tout le monde est c'est ça souci. Mais enseignement, enseignant, c'est différent. Enseignement, c'est-à-dire éducation, il besoin de payer ce programme. Mais les enseignants, ils ont besoin de payer ce matériel. Alors, n'interprétez pas qu'à l'obéli enseignant, non, à l'obéli enseignement. C'est ça le problème. Enseignement, il faut automatiser. Il a dit vrai. Nous devons être vraiment, nous devons nous regarder dans les yeux pour nous dire la vérité. C'est ça le temps, le moment où nous devons dire la vérité en face. Alors, on a lobby contre les enseignants. Non, non, c'est une fausse interprétation. Le président a dit que notre enseignement est au bas. Il faut tout relever. C'est normal. Comment on va relever? Matériel didactique, les documents, un bon programme, un bon salaire, améliorer les conditions de vie à l'enseignant. Tout ça, ça entre en vigueur. Nous devons avoir un programme de changement de notre programme d'enseignement. Au moins, le programme de la Bissot Ezaki d'abord. Hein? On a changé, on a modifié, on a pris avec les Congolais, on a modifié. Jusqu'ici, il faut encore renouveler certaines choses. Nous sommes là, on doit adapter notre enseignement à notre pays. Merci beaucoup nous aussi expliquer que Mboka, président de la République, à l'obacin, un système et pas aux enseignants. Pas na bas enseignants, voilà. Bas enseignants plutôt. Tout ça en bon bouquet ciment, tout ce comme on a bombe et ce coucou y'en a qu'il y a pareil judiciaire, y a coup conditionnel, Bolongolia, mon Mboka, Dieudonné Kaluba, pas à la qui vraiment moto et qui a mérité qui place ou a par rapport à papa Nabiso François Béa, mais comment on a Bolongolina y est. Il y a un sali que mon amboka, Thierry Sor Salamana Lombango pour essayer de le couler à mon amboka. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pas de bonbon, il y a un tranché au dossier, maintenant on a un bangi pour le molier. Il ne faut pas interpréter mal la chose. Problème, il y a la Cour constitutionnelle et les autres ont la matata en poignée consorté. Il faut comprendre, la vérité est comme ça. Mon amboka, Dieudonné Kaluba, Abandaki Kosala, continuité. Écoutez-moi bien. Abandaki Kosala, continuité, il y a programme, il y a ancien président, il y a cour constitutionnel. Mandat, il y a ancien président, il y a cour constitutionnel. Président Luamba. Mandat, naye, il fallait Esuka, période. Vous comprenez? Maintenant, vu qu'on est arrivé à la fin du mandat, il y a papa Luamba. Il fallait maintenant refaire une nouvelle comité, un nouveau comité, une nouvelle organisation. Il faut que ce bisso faveur de façon que demain, lendemain, il y a le cabinet de ma ponami, il va reconstituer le cabinet, il y a cour constitutionnelle. Et ça, qui est balongolé pour ma tata, madame, pour ce qui est un individu. Il y a un dossier, il y a Bokangalozo, il y a un dossier, il y a fil optique, il y a un dossier, il y a mille écoles, il y a un dossier, il y a. Il y a retombé, il y a bancarisation. Maintenant, pour y aller, bambongo en désordre. Moutoua Kangui et Azate. Ce cours constitutionnel a changé, ce n'est pas pour Madame Ampoy. Madame, c'est un individu. Comment on peut changer une institution pour un individu? Ça ne peut pas se faire. Ça, il faut écarter. C'est que moi, je sais que le problème est clair. Mandat, président Dieudonné Abandaki Kosala, il y a une continuité, il y a un mandat, il y a Papa Luamba. Papa Luamba, Koufaki, Akendaki, Naya, démissionnaki.
Après mandat wana, il faut refaire un nouveau comité. Le comité on a des copains ça, bah dirigeant Asika, pour tout continuer na système ya direction ya cour constitutionnelle. Moment mboka, tu mets d'abord mon dossier au Italie, dossier de gars, ma tata pour nyonga kaka. Tu sais comment on a relation mauvaise, comme attachement, une surprise entre ma tata pour nyonga et mon mboka, ma tata pour nyonga, des amis soldats du peuple. Si vous avez un faden, vous avez un politique de la République démocratique du Congo. Vous avez un appareil judiciaire de la République démocratique du Congo entre Mouzoutou, Fayoulou, Matata, et Katumbi et Joseph Kabila. Papa, ce sont des blocs des étrangers. Ce sont les quoi? Blocs des étrangers. Vous avez un sangana. Vous avez un sangana qui est un sangana et un console. Fayoulou, l'origine, papa est sénégalais. Maman Naye Aza, papa Naye Aza sénégalais. Entendons-nous. Que je termine d'abord. Papa Naye Aza sénégalais, maman Naye Aza Montias Cameroun. Oyo mususu Aza papa Naye grec maman Naye zambienne. Oyo ekobima papa Naye rwandais. Mususu. Alors ce sont des blocs des étrangers, ils se regroupent parce qu'ils trouvent que le peuple congolais a compris que nous sommes inflités par les étrangers. Oui, parce que Zombo qu'on a vu en otage, il faut tous se retirer. Moi, Mboka Mouzito, c'est un Congolais de père et de mère, à Sangani, à Linga, à Salanaye, pas opposition, mais à Kota, dans l'Istanga, Bana Congo, tout en Mboka. Aïe, il est le bienvenu. Mais ceux qui sont étrangers, ils sont en Akan, ils sont étrangers, ils ont été bisotés. Étrangers. Non, non, ce sont des étrangers, des pères et des mères. Pourquoi il y a un Azak Congolais à Wap, à Outuap. Il y a des musiciens qui sont dans la Kiao. Comme on a eu Pepe Kale, papa a eu Azak Sénégalais, maman a eu Azak Kassayen, Babalani. Abandonne quoi ça la musique, on a eu. Tu inquiétais, il était pas dans le domaine. Mais si on continue dans le monde politique, il faut avoir besoin de politique dans le pays. Il y a papa a eu. Zonga dans le Sénégal, ça la politique. Il y a quoi ça la politique dans le pays à Baningandéni. Bon, vous avez dit que 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 vous ils sont pas des Congolais, ils sont libres. Mais si vous avez dit monde politique, vous avez dit politique dans le pays, il y a papa, il y a maman, il y a des pères et des mères. De mérité. Même moi, je suis congolais, c'était papa, bima, salam à vous, vous avez dit que commerce, na yo, vanda, teka ba carburant, na yo. On ne peut pas vraiment commencer à tourmenter les peuples congolais jusqu'à ce niveau. Le peuple des Congolais, il faut se réveiller, il faut faire la mise, il qui est Congolais, qui ne l'est pas, qui est des pères et des mères. Pour toi, il faut en tant que notre mais père. Mais moi, je suis étranger sénégalais, je ne peux pas te dire ce que tu as comme fils idéologique. Il a son fils biologique. Il est fils de l'Union, quand il y a des pères, ce sont des fils. Il y a un qui est WAP. Dans le Sénégal, aux étrangers, vous voyez, aux assimilations, vous dites, nos grands leaders. Oui, ça va. Oui, il peut travailler au Congo en tant que frère, en tant que voisin, en tant que consort, et non pas en tant qu'originaire. Le Burundi, c'est le Burundi, c'est la politique. Et comme il dit, dans le Burundi, il y a le Congo. Vous voyez, au niveau où nous sommes arrivés, le Sud-Africain, président de Bangoua, au Tchikoloba, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Congo. Na ko longa na ke na Congo na komi président bakoyamba ngai na ke na la politique na Congo exacte ce n'est pas comme ça. Le Congo n'est pas une poubelle pour l'Afrique. Non, Burundi aya ayako sala politique, Sénégalais aya ayako sala politique, et comme ni soko ye na bafe na yo commercial sala bafe na yo commercial soko ye ba business na ye ayako sala ba business na ye mais oyé otiki ba business o komi na politique comme ndeni. Nous nous devons être clairs et sincères, la conscience parle. D'abord, si on n'est pas organisé, on a beaucoup de gens qui sont en danger. Tout ça, va venir en danger. Merci beaucoup, mon amour Willy. Tu as déjà su que tu es en danger. Je suis comme un président de ce qui est confiné par M23, dans le Codeco, à ce que l'on va faire des scènes non et qu'il faut attaquer par Codeco, à faire des gestes jusqu'à la fin. Bonne intervention au non, le président de la République a raison. Nous devons mettre de l'ordre à l'Est. Nos frères sont là. Vous avez vu maintes fois. Opération en Utakiwa, toujours dans l'Est. Et pas les infiltrés qui sont.
Nous devons mettre de l'ordre. Nous sommes des personnes humaines. Nous avons aussi droit à la vie. Alors, Congolais, c'est-à-dire quelqu'un a tué. Congolais, c'est-à-dire... Non. Si le génocidaire était des Rwandais, aujourd'hui, le génocidaire n'avait pas de n'importe quoi. Non, le président a donné de l'ordre pour que l'armée s'organise afin de mettre de l'ordre à l'Est. Ça, il a totalement raison. Il est chef d'état-major suprême. Il a ces droits-là. Alors, nous demandons à tous nos militaires de nous aider, de comprendre que ils sont là pour garder la population et donner la paix à l'Est. Ça, mais aussi, comme on a dit, chef de groupe, il y a l'armée, il y a toujours un dialogue, un solo là. Il va s'intégrer dans la carte armée, il y a vu ce qu'on a beaucoup. Mais il y a vu qu'on ne peut pas intégrer n'importe qui. Il y a cause où un assassin a intégré la famille, un voisin, Aïe, Azamoupaya, les lois ont intégré la famille, parce qu'Aïe, ce n'est pas comme ça. Il faut identifier qui est-il, à Outiwap. Au moins, il y a des gens qui sont en moto pour les gens qui sont en n'importe qui qui sont en train de se faire. Vous savez quoi, il y a même des bolingos, vous savez quoi, même malheur, même déception, même n'importe quoi. Vous savez quoi, il y a des gens qui sont en train de se faire. Alors, il faut faire attention. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Il faut identifier ces gens-là. Et on doit faire l'ADN là-bas pour toi qui est Congolais, qui ne l'est pas. Nous sommes infiltrés, n'importe. Je vous ai expliqué. Kenya, mais comment faire pour éviter cette infiltration? L'identification de la population congolaise associée avec l'examen ADN. Pointe. Pardon, Mme Boka? On doit identifier la population congolaise, donner une identité, des cartes d'identité. Et deuxième chose, on doit le faire accompagner d'un examen de ADN pour savoir si vous êtes congolais ou vous n'êtes pas. Parce que nous sommes infiltrés, ça fait 20 ans. Et pendant les 20 ans là, Babotsi batou combien, Batoué Babotsi batou combien, Bakongolais vrai baza combien, c'est depuis 97. Mais Kabila c'est un recensement à wa. Est-ce que Bino Bossala a fait le recensement? Depuis quelle année vous avez fait le recensement? Mais Kabila avait demandé. Et la population Kabila vous avez Kabila, un Tanzanien doit faire le recensement au Congo et ça a des sens. Comment vous pouvez dire n'importe quoi? Les fils de Kabila sont là, il y en a qui sont présents. Et ils n'ont rien bénéficié pendant ce gouvernement. Qu'est-ce qui prouve qu'il est fils de Kabila? Si ses frères qui sont là sont en train de souffrir. Donc on doit être un peu clair en cette matière. L'Union européenne est formée de n'importe quoi pour aller côté Abiso, à part le Biso Biso Bao. Ma campagne est celle qui est au Babane Kobongisa. Vous avez vu que le statut, vous avez une statue à Kabila, vous avez une constitution. Vous avez une constitution en Europe. Vous avez une constitution Michel, vous avez une constitution. Alors, les gens ne peuvent pas le peuple congolais. On ne peut pas accepter que les gens continuent. Non, nous sommes des Congolais. On doit réclamer nos droits. Nous avons aussi le droit à la vie. Merci beaucoup, Mme Mboka. Tout le monde a dit que l'action peuple d'abord. Et que ça a été fait dans 4 épisodes. L'action est matin de temps en temps. Récemment, les 5 qui dans la ville de Kwilu, à Kwango, à Kenge. Pour la manifestation, il y a Oyebi Bat, il y a mouvance présidentielle, Bakota qui vient de Kenge, Babundakina Bat, il y en a. Alors, chaque les 5, ça a café, toi. C'était une grande manifestation, il y a eu des images, il y a eu des cas qui n'ont pas mobilisé toute la ville de Kenge. Je vous dis, dans chaque ville, c'est à pas qu'il y ait le plus proche de la population. Peuple d'abord. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour accompagner le peuple dans leur misère, dans leur malheur, et nous prenons leurs besoins. Tous en espère qu'avec Fachi Beto, Makambo va changer. À pas être dans 145 territoires, à pas être en train de faire le travail, estimez-vous qu'avec l'appui de tout le peuple congolais, tous dans la majorité écrasante, tous les chefs de l'État pour tout changer le Congo. Nous avons une mission de changer ce pays, et le changement, c'est vous. Vraiment? Merci beaucoup, Mme Boka. Quel numéro de téléphone est-ce que vous avez le numéro de téléphone? 082-54-212. Si vous nous cherchez, vous pouvez facilement nous trouver. Je vais vous dire que je suis à Katangé, les 17A, parce que j'ai ma autorité morale FC Joseph Kabila. Après la négociation pour la Makambotali. Et l'État, il a tout fait. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au Congo? Tout le bel Makambonini Bolingi, mes frères. Le peuple congolais est fatigué avec ces gens-là. Les étrangers ont pris ce pays en otage, on doit redémarrer et réchanger les choses pour que le Congo aille de l'avant. Je ne sais pas si c'est parce que le peuple est le peuple de l'Union. Les étrangers sont très beaux. Non, on doit mettre à l'écart des étrangers. Si on est pour le business, on va s'occuper de business. Si on est pour l'activité, on va s'occuper de la banque. On va mettre la politique congolaise libre. C'est ça notre souci majeur. Merci beaucoup, président. Je vous en prie, bien aimé.
Ciao.